Je suis ravie de vous retrouver en ce début octobre pour un nouvel épisode de mes aventures créatives. Vous êtes sur la chaîne Lily Mogotte, moi c'est Aurélie pour ne pas changer. Et ici je vais vous parler tricot, couture aujourd'hui pas trop, pas du tout même je crois, ou un tout petit peu. Plein de nouveautés, plein de nouvelles choses, j'ai attaqué un peu de tous les côtés. Voilà, donc bienvenue à toutes les nouvelles qui arrivent. Merci pour vos commentaires, vos likes. Voilà, c'est toujours un plaisir. J'espère que vous allez toutes bien. Et puis voilà, et bienvenue dans mon monde créatif. Donc on va commencer aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler de ce que je porte, qui est une... Je pense que je vous l'ai déjà montré lors des précédents... Enfin, d'un vieil épisode, parce que c'est une robe que j'ai cousue il y a quelques années. Donc c'est la robe Eugénie de Atelier Scamite, que j'avais fait version manche courte. Alors je sais pas si vous voyez avec le recul. Voilà, c'est une robe qui m'arrive au genou, avec... ces trois petits volants, son décolleté cache-cœur. Voilà, donc elle m'arrive au genou. C'est un tissu Atelier Brunette, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui date. Puisque je pense que c'est une robe, je l'ai cousue, je vivais au Canada. Et c'était, ouais, ça doit faire bien peut-être 4 ans, je dirais, que je l'ai cousue. Donc vous pouvez la retrouver dans un précédent épisode. Mais j'aime beaucoup, je la porte. Alors là, on est encore un peu en mode été, même si on est au mois d'octobre, avec des températures assez chaudes l'après-midi. Donc on porte encore les petites robes, voilà. Mais je la porte aussi l'hiver avec des collants, des bottes et un petit gilet par-dessus. C'est voilà une cousette. Le tissu a super bien vieilli. C'est vrai que je l'ai pas mal lavé, pas mal porté et elle ne bouge pas. Alors le seul reproche que j'aurais à faire à cette viscose, c'est qu'elle froisse. C'est qu'elle froisse. Alors, c'est pas celle qui froisse le plus, mais elle a tendance à froisser. Je suis vraiment obligée de la repasser à chaque fois, après chaque lavage, ce qui n'est pas le cas de toutes les robes. Il y en a qui se mettent un petit peu de façon plus simple. Donc ça, c'est bon, voilà, c'est le bémol, mais je la porte beaucoup et je l'aime beaucoup. Voilà pour ce que je porte. Je vais vous faire un petit retour. Alors, j'ai eu la chance d'aller au Knit It à Lyon il y a 15 jours, hein, c'était le 23 septembre il me semble. Voilà, alors moi je vais pas vous faire, il y en a plein qui ont déjà fait des retours, celles qui n'ont pas pu y aller, j'imagine que c'est peut-être un peu frustrant. Voilà, donc je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté l'équivalent de 3 projets pulls. Pour lequel plus ou moins quand je suis allée au Knit It, j'avais principalement notamment une idée en tête bien particulière, mais j'ai pas du tout pris de photos, de vidéos. En fait, j'y suis allée juste le samedi et le samedi il y avait un monde fou. Il y a même des stands que je me suis rendu compte que je n'avais même pas vu. Alors moi j'ai pas osé aller parler à des gens que je voyais qui étaient de loin, qui étaient occupés. Je suis même pas allée sur le stand de Liz Taylor à mon grand désespoir, mais bon voilà, j'ai fait un tour, j'ai surtout rencontré pas mal d'abonnés, j'ai discuté toute la journée, c'était génial, vraiment une ambiance de folie. Voilà, on a pu échanger, j'ai parlé, on a parlé, j'ai rencontré plein d'entre vous, c'était très sympa, franchement une super expérience. Je me suis régalée, j'ai passé la journée avec... on s'est rencontrés, on s'était donné rendez-vous à la sortie du train avec Valérie de Val la vie est belle sur Instagram. On a passé une super journée toutes les deux. On a rejoint Sophie de l'Aine et Phil, oui, qui ne tourne plus actuellement, mais voilà, et d'autres copines. J'ai retrouvé les Aixoises. Voilà, ça a été une journée très intense, mais vraiment géniale. Après, avec le recul, je me suis dit que peut-être si je dois y retourner l'année prochaine, ce qui n'est pas du tout sûr, je n'aime pas du tout l'idée de ce que je ferai l'année prochaine, mais je me suis dit que peut-être j'irai le dimanche et j'aurai plus le temps d'aller sur les différents stands. Il y a notamment Eve de EV3 que j'ai aperçu de loin, mais qui était occupée. Enfin voilà, il y a... Anna de Ana et Tricot aussi, mais voilà, à qui j'aurais bien voulu dire un mot et j'ai pas pu. Enfin, voilà, les stands étaient vraiment bondés, donc c'était voilà, mais un chouette retour de journée, une journée bien fatigante, mais vraiment très chouette. Et le lendemain, donc mon mari m'a accompagnée, alors pas au salon, mais lui il est allé se balader le samedi. Et le dimanche, on s'est baladés tous les deux, et notamment le samedi en fin de journée aussi. Et j'en ai profité puisque je pense qu'à Lyon, vous devez savoir que c'est une ville où il y avait les tisserands de soie en France. Et on a gardé quelques tisserands, notamment certaines boutiques qui font encore de la soie avec les métiers à tisser. Qui ont encore leur usine et qui tissent encore sur Lyon. Donc j'ai pu aller voir une boutique avec le label lyonnais, Made in France, etc. Donc j'ai pu rencontrer le monsieur, on a pas mal papoté. Je vous insérerai quelques photos, j'ai pris des photos, des vidéos. Il y avait vraiment, ça expliquait toute la production de la soie, des différentes étapes du verre à soie jusqu'au fil de soie, etc. Donc je vous mettrai quelques photos, j'en ai pris, je me suis régalée, c'était hyper intéressant. Donc ça, je suis allée avec mon mari dans le vieux Lyon et je me suis acheté une petite... alors c'était vraiment pour... Attendez, je l'attrape. Donc c'était les soieries brochées. Je sais pas... Voilà, les soieries brochées depuis 1890. Donc ça, c'est vraiment le savoir-faire français. Voilà ce que j'aime. Hein. Alors moi, j'ai pris un tout petit morceau parce qu'évidemment... les grandes étoiles en soie, alors eux, ils les impriment en plus avec des tableaux, etc., de grands créateurs. Donc, les prix montaient très, très vite. J'avais juste envie d'avoir un petit foulard. Donc, moi, j'ai pris ce petit foulard en soie, ce petit carré en soie, exactement. Voilà, que je crois que j'ai payé 15 ou 19 euros, quelque chose comme ça. Donc déjà, vous imaginez le prix d'une grande étole. Mais voilà, je suis ravie. Je peux le porter, je me suis dit que je pouvais quand même le porter, alors je sais pas si je le porterai comme ça, mais peut-être dans un blazer, enfin c'était plus pour le souvenir que pour vraiment la pièce en elle-même. C'est d'une douceur, bah voilà, c'est de la soie pure, hein. Et voilà, donc je vous mettrai des petites photos de ma visite de cette boutique qui fait enfin voilà, qui font leur propre... Voilà, foulard d'artiste, brochier soie. Donc évidemment, ça se lave à la main. Depuis 1890, la famille Brochier perpétue une tradition née au XVIe siècle. La fabrication d'étoffes d'exception et l'impression de carrés d'artistes. Depuis la création de l'atelier, 4 générations se sont succédées, etc. Made in France, Made in Lyon. Soirieelyonnaise.com. Voilà, donc ça, c'était la petite visite, la petite balade du dimanche. On s'est régalé, c'était vraiment très chouette. Et ça a permis de découvrir voilà, cet artisanat français dont on peut être très fier. Donc, au Knit It, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, j'avais très envie de tricoter. Vous savez que moi, revenant du Canada, j'avais encore pas mal de laine canadienne, américaine. J'avais donc envie de tester des teinturières de laine que je ne connaissais pas. Il y avait notamment Yarn by Simone, où j'avais envie de tester. Et il y avait Madeleine et Philibert. donc que je suis allée voir, et notamment Yarn by Simone, j'y allais pour une couleur bien précise qui est sa couleur ultraviolet. Donc en ligne, j'ai pas osé l'acheter parce que alors la violet n'est pas à la base une de mes couleurs, enfin j'ai zéro pull violet, donc c'était aussi l'occasion de mettre ça dans mon dressing. Mais je voulais voir la couleur et puis j'avais envie de toucher, de voir exactement si je n'allais pas être déçue. Et donc je suis passée sur le stand de Yarn by Simone et j'ai acheté donc ces pépites. Donc j'ai pris, donc coloris ultraviolet, j'ai pris sa base MSW qui est 100% Merino Super Wash, fingering 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, avec son joli logo. Et son mohair et soie, donc qu'elle appelle KMS, alors ultraviolet également, 420 mètres pour 50 grammes, 72% kid mohair, 28% soie, et c'est une lace. Donc moi, j'ai pris 3 écheveaux de chaque. Excusez-moi, c'est mon aspirateur qui est en train de terminer, qui se vide pour le bruit. Donc j'ai pris 3 écheveaux de chaque et je vais donc me faire un projet en déca, je ne sais pas encore lequel, j'ai pas encore choisi le modèle, mais ça c'est quelque chose que je voudrais mettre sur mes aiguilles cet hiver. Il y a Cécilia, ma tricopine aixoise, qui l'a pris aussi, on était sur le stand au même moment, on s'est dit qu'on se dirait ce qu'on allait tricoter avec. Voilà, pour l'instant j'ai pas encore d'idée vraiment, mais moi le mélange fingering et mohair, c'est un de mes mélanges préférés. C'est ce que j'aime le plus tricoter. En plus, souvent, moi, je le tricote en 4,5. Donc, ça va relativement vite. Je trouve que c'est très satisfaisant. Donc, voilà, j'ai plein de modèles hein, en déca. Est-ce que je vais refaire quelque chose, un modèle que je connais ou autre chose? Je ne sais pas. Dites-moi si vous avez des idées. Enfin, moi, bon. Voilà, avec ce coloris-là. Donc ça, c'était la couleur vraiment que je voulais, pour laquelle je suis allée au salon. Et dès que je suis arrivée sur Knit It, on a fait un petit tour rapidement avec Valérie. Et puis, je suis directement allée sur le stand de Yarn by Simone. Et j'ai acheté cette laine, il y avait une queue de dingue. Voilà, donc, mais je l'ai eue, donc je suis très contente. Ensuite, donc... je suis allée sur le stand de Madeleine et Philibert de Catherine. Il y avait donc Alice, du Lapin d'Alice, que je suis depuis très très longtemps, depuis ses débuts je pense, qui tenait le stand avec elle. Cette année, j'ai osé lui parler un peu plus longtemps parce que, voilà, moi alors je suis pas une grande timide, hein, je suis plutôt très sociale, voilà, mais... Bon, moi, Lapin d'Alice, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps et pour moi, c'est un peu ma star du tricot. Il y en a quelques-unes comme ça. Il y a le Tricot Monde de Sophie que j'ai croisé l'année dernière, à qui j'ai pas dû décrocher de mots. Voilà, ça peut paraître ridicule, mais voilà. Et en tout cas, moi, les abonnés qui sont venus me voir, ça m'a fait super plaisir. J'étais très contente et on a pu échanger. Elles m'ont montré des modèles. Enfin, bref, c'était très sympa. Tout ça pour dire que donc sur le stand de Madeleine et Philibert, j'ai craqué pour... sa base Merial Silk, alors je crois que c'est une nouvelle base, 70% Merino Super Wash, 20% Baby Alpaga, 10% soie, fingering 100 grammes, 400 mètres environ, dans le coloris Saint-Malo varié. Voilà, j'ai pris 3 écheveaux, donc c'est une fingering. Ce coloris est juste magnifique, alors je sais pas si vous le voyez, du coup j'ai pas de retour caméra, je sais pas si vous le voyez comme il est, c'est un bleu vert, plutôt vert, un peu mer en fait, hein, Saint-Malo, j'imagine que c'est ça. Il est splendide, il a vraiment des nuances qui sont top. Et en fait, sur le stand de Madeleine et Philibert, lui je l'ai acheté, j'ai une idée de... alors, je sais que c'était pas... il était pas... Catherine avait mis un portant avec des samples, enfin des exemples de ces laines qui étaient tricotées dans différents modèles, et j'ai repéré, mais qui n'était pas très visible, qui était au milieu, j'ai repéré un pull dans ce coloris là. Alors attendez, j'attrape mon patron, parce que j'ai acheté le patron direct en sortant, Valérie, ma copine, l'a acheté également, et il y avait ce modèle donc, que Catherine avait déjà tricoté je crois pour sa fille. dans le coloris Saint-Malo. Et c'était juste une tuerie, parce que cette laine est d'une douceur. Sur le pull, elle était d'une fluidité. Bon voilà, c'est alpaga, soie, mérino. C'était vraiment une super fluidité, un super dessin d'émail. Et quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit que j'allais faire exactement. Donc c'est un pull relativement simple, entre guillemets, de construction. Je me suis pas encore penchée sur la chose, mais il a des côtes. Il a un jeu de côtes sur les épaules qui redescendent, voilà, comme ça. Le modèle est vraiment magnifique. C'est un modèle de 2023 de Hiromi Nagasawa. Et c'est le nom du modèle, le Ridge Sweater. Donc moi, je l'ai pris en anglais. Je sais pas s'il existe en français. Voilà. Mais ça, c'est bientôt ce qui va sauter sur mes aiguilles. Alors, j'ai plusieurs en cours. Vous allez voir que je n'ai encore pas été très raisonnable. Mais dès que j'ai évacué quelques encours, je me suis dit que ça sauterait sur mes aiguilles. Donc voilà pour un projet à venir. Et mon dernier rachat du Knit It, c'est chez Teinturlurée. Donc pareil, j'ai pris une quantité pull, 3 de fingering. Donc là, j'ai un peu voilà, flambé, entre guillemets. Mais voilà, je sais que c'est des belles laines qui auront leur histoire. La Teinturlurée, hyper sympa. On a pas mal discuté. C'était vraiment un chouette moment. Et j'ai pris donc sa base SKMS, lace, mohair et soie. Coloris Wicked the Night. Donc c'est un bleu marine. Alors il y avait le... et j'ai pris également la BFL Tweed. Donc 85% Blue Face Leicester, Super Wash, 15% de nylon, 400 mètres pour 100 grammes, coloris Wicked the Night. Donc voilà l'ensemble. Donc j'ai pris 3 de chaque également. Et dans mon idée, alors peut-être j'aurai une autre idée d'ici là, mais je voyais bien. Donc en fait, il y a ces petites neppes, donc ce fil à l'intérieur dans le filage, qui va apparaître, il y avait un échantillon qui apparaît quand même légèrement sous le mohair. Et mon idée, c'était de me faire un Whitmore cardigan. J'ai fait donc 2 Whitmore sweaters. Et j'avais très envie de me faire un Whitmore cardigan. Et je trouve que ce petit effet tweed dans un gros gilet style le Whitmore, mais avec quand même de la dentelle, ça casse un peu le côté rustique, et ça allait me faire une très jolie pièce, mais que j'allais pouvoir porter quand même beaucoup dans ce coloris bleu marine. Voilà, donc ça, je pense aussi que ça ne tardera pas trop. Enfin voilà, j'ai très envie de tricoter mes nouvelles laines, évidemment, mais je me suis dit que j'allais essayer d'être raisonnable, ce qui n'est pas forcément ma plus grande force. Donc j'attends un petit peu. J'ai pas encore le patron du Whitmore cardigan, donc voilà, c'est pas pour tout de suite. Je vais maintenant vous parler de... Donc pour le Knit It, c'est un peu tout. Ah si, j'avais chez Teinturlurée, j'ai également acheté... Alors... Donc chez Teinturlurée, j'ai également acheté ces petits clips. Voilà. Qui se mettent en bas du pull. Alors, comme ça, qui se mettent en bas du pull, sur le bas, pour avoir une jolie étiquette. Donc, celle-ci, il y a un petit motif de fleurs. C'est un vert qui ira exactement, puisqu'en fait, Teinturlurée était juste à côté du stand de Madeleine et Philibert. Et Madeleine et Philibert, avec un Catherine, avait mis ça sur son pull, en bas du pull, coincé comme ça. Et c'était exactement le coloris Saint-Malo. Donc voilà, ça je le mettrai sur ce pull là. J'ai également pris, j'en ai pris, je crois que c'était 1 euro ou 2 euros, 1,50 €, la petite, j'en ai pris 3, hop, j'en ai pris 3, j'ai pris également celui-ci, donc bleu marine, qui pourra aller bah, du coup sur mon Whitmore cardigan, voilà, donc avec, vous voyez, ce petit effet de jour que je mettrai dessus. Et j'en ai pris également un, un rouge, c'est pas un rouge franc, c'est un très très joli rouge. Voilà, avec pareil ces espèces de petits mandalas en surimpression. Voilà, ça j'ai trouvé ça très sympa comme étiquette, puisqu'en plus ben, on peut les poser, mais voilà, ça s'ouvre. On peut ouvrir, fermer et donc éventuellement les changer de pull ou de, enfin, de tricot en tout cas. Donc ça, j'étais très contente. Et chez Teinturlurée, je crois que c'est... Oui, c'est chez Teinturlurée. Elle m'a offert également ce petit pochon. Donc il y avait un bonbon, évidemment, il n'y est plus. Et dedans, alors vous allez me dire, parce que je suis comme une bécasse. Ça, c'était dans le sac que j'ai trouvé. J'ai pas regardé. Il y avait ce petit autocollant mouton. Donc ça, je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais je vais bien trouver. Donc oui, c'est Teinturlurée qui me l'a offert, avec sa jolie petite carte. Et dedans, il y a deux petites perles en plastique. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. C'était offert comme ça. Donc, il y a un trou central. Est-ce que c'est pour... bah, je ne sais pas. Pour mettre sur un projet... Je ne sais pas si vous avez une idée. Pourquoi ce cadeau-là? Il y a peut-être un truc qui m'a échappé. Ou est-ce que c'est juste deux perles orange fluo? Orange rouge, je ne sais pas. Dites-moi si vous savez à quoi ça sert. Ou si c'est juste des perles. C'est des perles. Ça a l'air d'être en silicone. Dites-moi si vous savez, parce que j'en ai strictement aucune idée. Voilà. Donc voilà pour mon bilan du Knit It. Bon, j'espère que ça vous aura pas saoulé, celles qui n'avaient pas envie. C'est rare que je montre mes achats, mais là j'avais, voilà, chaque projet avait, chaque laine avait sa petite histoire, et puis normalement c'est ce qui devrait sauter assez rapidement sur mes aiguilles. Ensuite, le dernier épisode, je vous ai parlé que je faisais un test pour Florence, le Steel Knitting. Donc c'est un test qui se termine fin octobre. Mais Camille du Chat qui Tricote a organisé une rencontre avec notamment un déjeuner avec Florence le 14 octobre, donc le week-end prochain. Et je me suis inscrite avec d'autres tricopines. Et donc on va rencontrer, donc elle fait des dédicaces, j'imagine qu'elle aura avec sa laine. Et puis Florence, on devait se rencontrer l'année dernière parce qu'elle était venue en vacances avec sa famille à Aix. On avait prévu de se voir. Et puis finalement ça s'est pas fait, c'était au moment où moi j'allais pas très bien, enfin bon, bref, c'était avant mon hospitalisation, donc j'étais dans les choux et j'ai pas pu aller la voir. Donc là on se rencontre samedi, donc je suis ravie parce que ça fait longtemps qu'on se parle et que voilà, je suis ravie de la rencontrer en vrai. Et du coup le test, je me suis dit il faut que je le termine absolument pour la rencontre avec Florence, pour qu'elle le voie avant que je lui présente le modèle fini. Donc j'ai mis le turbo et j'ai été... alors j'ai pas été mono en cours parce que vous allez voir, j'ai une autre... enfin, j'ai plein d'autres nouveautés, mais j'ai notamment une grosse nouveauté. Et donc j'ai fait le test pour Florence, qui était le modèle Daphné. Donc je vous en avais parlé la dernière fois, un gilet boléro, je ne sais pas comment on peut le qualifier, qui était fait en double fil de mohair. Et moi, quand j'ai vu, donc j'avais complètement flashé sur le modèle de Florence, et quand je l'ai vu, je me suis dit, cette pièce-là, je la vois complètement en noir. En noir parce que je me suis dit, sur une robe l'hiver, ou en mi-saison, etc. Là, notamment pour aller voir Florence, je peux le mettre avec un petit caraco s'il fait encore les chaleurs qu'il fait actuellement. Voilà, je le voyais en noir. Donc Florence m'a dit, ah, t'es courageuse, tu vas falloir que tu tricotes en noir. Alors moi j'ai, je sais pas pour celles qui connaissent, j'ai acheté ça fait très longtemps que je l'ai, chez Hobby. J'ai acheté, peut-être je vous montrerai tout à l'heure parce que j'ai quelque chose à aller chercher. Vous savez, c'est ce tube en plastique avec deux petites LED au bout qui permettent d'éclairer. En fait, moi j'ai ça notamment quand on était au Canada ou quand on faisait de la route, etc. Pour pas gêner mon mari quand il conduisait, je mettais mon petit tour de cou et ça permet d'éclairer son ouvrage. Donc moi là en ce moment je tricote surtout le soir, et le soir ben, quand on regarde la télé et tout, alors selon ce que c'est comme comme laine et comme coloris, j'arrive à tricoter sans être à avoir un éclairage complètement direct. Mais là, en tricotant pour tricoter du noir, clairement, j'étais très contente d'avoir mon tour de cou lumineux. Donc je vais vous montrer cette pièce que j'ai donc terminée, mais qui n'est pas encore, bloquée. Les fils sont pas rentrés. Moi, je l'ai tricoté donc en Kitsilk de Drops noir. Il m'a fallu 8 pelotes. Donc moi, j'ai fait la taille, il y a 3 tailles. J'ai fait la taille du milieu et il y a 2 hauteurs pour selon la taille. Moi, je fais un... quasiment 1m70 et voilà, j'ai fait la deuxième taille en petite hauteur. Donc en fait, ça a une construction très très rigolote puisqu'on commence par un montage provisoire au crochet. Oui, c'est ça. Donc comme tous les patrons de Florence, c'est super bien expliqué. Mais je vous en reparlerai parce que je pense que ce modèle va sortir donc courant novembre. Donc on commence par un montage provisoire au crochet, on fait une bande de côte et ensuite on fait un grand rectangle de dentelle. Alors est-ce que vous voyez? Voilà, cette dentelle qui est splendide, mais c'est un grand rectangle, donc en fait, hop, c'est un grand rectangle. Donc on fait X répétitions selon la taille qu'on a choisie. On refinit encore par des côtes. Et ces côtes, ensuite, on vient les rabattre ensemble pour fermer à ce niveau-là. Pour fermer à ce niveau-là. On fait un petit peu de jersey double pour terminer la manche. On reprend les mailles qu'on avait laissées en attente. Pareil, rabattage à 3 aiguilles. On refait un petit peu de jersey double pour terminer la manche. Et ensuite, alors ça c'est la partie la plus, pas la plus longue, mais voilà. Ensuite, on vient relever des mailles tout autour du col et puis un petit peu plus bas afin de faire une partie en jersey pour avoir un col qui vraiment remonte dans le cou et soit un petit peu enveloppant. Donc je vais le passer pour vous le montrer porté. Donc voilà, une construction très particulière qui change. Alors moi il n'est pas... Donc je pense qu'il faut que je mette en forme le col. Mais voilà, j'imagine... Et puis ma dentelle dans le dos du coup va descendre un petit peu plus loin. Mais voilà, donc une construction très particulière. Alors est-ce que vous voyez, j'espère. Sinon je vous mettrai des photos si quand je fais le montage je me rends compte qu'on ne voit pas très bien. Voilà, et puis je vous montre le dos. Donc avec cette dentelle, donc moi il m'arrive un petit peu, voilà, une fois bloqué, il m'arrivera mi-fesse, mais vraiment chouette. Et puis du coup le col est assez enveloppant, je trouve ça très sympa. Peut-être je le porterai avec une petite broche, mais sur une robe ou voilà, c'est ou sur une chemise blanche, parce que moi comme ma version est noire, je l'imagine très bien sur une chemise blanche ou un t-shirt manche longue blanc. Pour qu'on vraiment on voit la dentelle se faire. Donc voilà, il me reste à le bloquer, à prendre des jolies photos et puis je vous en reparlerai au moment de la sortie pour vous le montrer vraiment bien bloqué, parfait. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais porter assez facilement dans le sens où voilà, un jean, un t-shirt et puis ça par-dessus, ça fait mi-manteau, voilà, pour la mi-saison, je trouve ça top. Voilà pour ce premier ouvrage terminé, donc le Daphné de le Steel Knitting que je vais bloquer incessamment sous peu. J'ai eu pas mal de nouvelles envies et de nouveautés. La dernière fois que je suis allée au Chat qui Tricote, au tricoté du jeudi soir, il y avait donc Valérie, Val la vie est belle, dont je vous ai parlé, avec qui je suis retournée au Knit It. Donc ça, c'est la semaine juste avant le Knit It, je crois. On s'est retrouvés, elle habite pas pourtant la région, mais elle est venue, enfin elle habite à 1h30 de route, je crois. Et donc elle était venue au tricoté. Donc c'est là qu'on s'est revus, puisqu'on s'était rencontrés une première fois. Juste, on avait parlé 5 minutes, mais on s'était vu l'année, il y a 2 ans, on s'était rencontrés au Knit It. Et puis là, on a sympathisé au tricoté. Et puis on s'est dit, bah... On se verra au Knit It, et voilà. Et ce jour-là, elle tricotait un pull qui m'a fait de l'œil. Mais vraiment, j'ai complètement craqué. Donc je vais aller chercher pour vous montrer, parce que forcément, je n'ai pas mis beaucoup de temps à succomber. À tout de suite. Je disais, Valérie était en train de tricoter le modèle Cadence. Le modèle Cadence de Sophie Okera, un modèle de 2022, tout en jacquard. Et en fait, quand j'ai vu le modèle, elle l'avait avec elle, je me suis dit, c'est une tuerie. Alors, on a toutes craqué, hein, vraiment, il était splendide. La photo m'aurait pas forcément fait craquer. Mais alors, quand je l'ai vu en vrai, je trouvais que la laine était top. Une définition magnifique. Le jacquard, ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Et donc, ben, j'ai complètement craqué. Et puis surtout, alors... Elle me montre son modèle et puis elle me dit c'est Anna de l'Ana et Tricot qui fait des kits complets avec toutes les petites, toutes les différentes couleurs. Il y a un kit. Je regarde le prix et le kit pour ma taille était à 59 €. Donc bah, inutile de vous dire que 59 € le pull en jacquard avec toutes les laines et le patron inclus. Je me suis dit bah là il n'y a pas à sourciller. D'ailleurs c'est rigolo parce que alors j'ai commandé le kit directement, je crois, le soir ou le lendemain, ça a fait beaucoup rire Valérie. Je lui ai dit, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Et je l'ai reçu genre 2 jours plus tard. Et c'était juste avant le Knit It. Au début, je m'étais dit, peut-être je peux le commander. Puis je demanderai à Anna si elle peut me l'amener au salon. Et en fait, il était en tête de gondole. Ce modèle était en tête de gondole chez l'Ana et Tricot. Et donc, elle le vendait. Alors, il y a cette version très colorée. Et il y avait aussi une version dans les beiges et bruns que moi personnellement j'aimais moins, mais qui était vraiment qui est vraiment très belle également. Donc voilà ce pull. Donc c'est un pull qui est en yoke avec une encolure très dégagée et un petit peu boxy avec les manches un petit peu resserrées. Y a, la créatrice me donne la possibilité de faire le col un peu plus resserré. Moi, c'est l'option que j'ai choisie. Je voulais pas qu'il me tombe et qu'on voit les bretelles de soutien-gorge, etc. Donc, en fait, j'ai choisi la version un petit peu plus serrée. Donc, en fait, quand j'ai eu le kit, donc il y a toutes les laines. Toutes les laines. Donc, c'est de la Bio Shetland de BC Garn qui fait un petit peu rustique comme ça. Donc, qui est effectivement idéal pour le jacquard. Mais une fois tricoté, franchement, une pépite. Et on recevait de la même façon, on recevait tous ces petits pelotons déjà bobinés. Hein. Enfin, les gros, il y a quelques écheveaux qui n'étaient pas bobinés, mais le reste était bobiné. Et avec les différentes couleurs, donc je crois qu'il y en a 12 ou 15, il me semble. Donc moi, je les ai notés parce que, voilà, pour le jacquard, voilà. Bref, tout ça, donc la Bio de Shetland de BC Garn. Très agréable à tricoter, cette laine. Et je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre directement sur mes aiguilles. Et comme vous allez voir, j'ai pas mal avancé. J'ai pas mal avancé puisque j'ai déjà séparé. Donc, on commence par le col. On commence par le col. Et ensuite, on vient faire son yoke. Donc là, les augmentations se font au moment des coloris. Enfin, en même temps. Et... ensuite, on laisse les manches en attente et puis on vient dérouler le corps qui est complètement tout droit. Donc voilà, moi je l'adore. Alors il y a une couleur, il me restait de la Annie Blatt dorée, ce fil doré. Donc je l'ai incrusté au milieu, j'avais très envie de mettre une touche un peu brillante sur ce jacquard. Et donc voilà ma version. Et donc là j'ai commencé à dérouler le corps. Alors là je l'ai mis un petit peu en attente puisque je voulais terminer le Daphné du Steel Knitting. Mais voilà, il avance bien. Et je dois avouer que j'avais complètement oublié. Mais le jacquard, c'est hyper addictif. C'est vraiment, on a envie d'aller au motif suivant. Alors, il se tricote en 3,5 ou 2,75. Donc bon, c'est censé pas aller vite. Ouais, 2,75, je le tricote. Donc clairement... mais alors, vous voyez, je le trouve vraiment... ce jacquard, il est vraiment splendide. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va m'occuper les prochaines semaines. Et puis je vais vous montrer son avancée au fur et à mesure. Donc l'intérieur, mon intérieur, il est pas mal. Je suis assez contente, hein, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de jacquard, mais vous voyez, j'essaie de croiser mes fils. Alors dès qu'il y a plus de... Je fais pas courir mon fil plus de 5 mailles. En général, 5 mailles, c'est ma limite. Je croise mes fils pour pas qu'il y ait trop de fils flottants derrière. Donc voilà. Mais j'adore, c'est très sympa. Pour... alors, j'ai rencontré notamment une fille qui l'avait sur le Knit It, qui avait la version beige. D'ailleurs, coucou si tu me regardes. Et elle disait que le pire, ça avait été de rentrer les fils à la fin. Alors moi, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai pas de fil à rentrer. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la méthode de Stephen West. Et je rentre tous mes fils au fur et à mesure. Donc la méthode de Stephen West, c'est quand on arrive à ces changements de fils, je les coupe, je laisse une petite longueur et sur environ 7 ou 8 mailles, en général moi je me dis 8 mailles, quand je tricote ma maille, je passe le petit bout de fil à l'intérieur. Donc ça fait une petite surépaisseur, mais clairement ça ne se voit pas dans le jacquard. Et je fais ça pour chaque changement de couleur, en fait, je coupe mon fil, hop, je le mets dans les mailles suivantes et il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Une fois qu'il sera bloqué, comme c'est de la laine un peu jacquard, de la laine un peu rustique qui accroche, ça va se prendre dedans. Et ça surtout, ça m'évite d'avoir un gros moton de fil à rentrer à la fin, ce qui peut être un peu décourageant quand il faut tout rentrer. En soi, ça ne me dérange pas de rentrer quelques fils, mais quand il y a tout un jacquard à rentrer, clairement, ça aurait été un petit peu... je pense que ça aurait pu me le faire laisser en stand-by. Donc voilà, donc mon pull, donc moi voilà, l'encolure je l'ai un petit peu réduite. La largeur, alors là il est sur mon câble, mais voilà il va être un petit peu large, hein. Il y a pas mal d'aisance. Moi je l'ai fait avec un peu moins d'aisance, je crois, que préconisé. J'ai fait la taille M. Mais... ouais, j'adore. Et puis alors à tricoter, c'est hyper sympa, quoi. J'avais vraiment oublié le jacquard, le plaisir de faire du jacquard. Voilà, donc voilà pour ce qui me tient en ce moment. Pas tout à fait, je vous mens. Je vais vous... alors j'ai également aussi dans mes achats récents... ça va un peu partout là, hein. J'ai pas du tout préparé cet épisode. Aujourd'hui j'avais une journée tranquille, je me suis dit je vais tourner, donc là je me suis mis dans mon atelier parce qu'au moins j'ai tout sous la main, puis en voyant les choses dans mon champ de vision, je me dis il faut que je leur parle de ça et ça. Ah oui, d'ailleurs ça me fait penser qu'au Knit It, non c'est pas au Knit It, j'ai quand même fait une cousette, je vous montrerai en fin d'épisode, une nouvelle cousette. J'ai aussi, avant de partir, j'avais fait une commande, il me refallait du coup de la Kitsilk noire pour faire le Daphné, et j'ai commandé de la Desi, la nouvelle base de Drops. Donc moi j'ai pris ce coloris gris. Donc la Desi, c'est une nouvelle base 100% extra fine merino wool. Alors moi j'ai pris le mix chez Drops, c'est quand c'est un tout petit peu chiné. J'ai pris le gris clair. La laine a l'air super agréable. Alors c'est Stéphaline May, je crois, ouais, qui l'a déjà tricoté, qui disait que c'était top, mais franchement la douceur, moi je l'avais acheté avant qu'elle le tricote et qu'elle fasse son... j'étais un petit peu sceptique, mais je me suis dit, bon, vu le prix, en plus elle était soldée, donc voilà, c'était vraiment pas excessif. J'ai commandé de quoi me faire un pull, puisque là, quand je suis allée, alors pas au dernier tricoté, mais bon, je vais régulièrement au Chat qui Tricote. Et j'y suis allée un jour où j'ai passé un petit peu de temps, j'étais toute seule avec Magali. Et on a... du coup, j'en ai profité pour feuilleter le dernier Pom Pom Magazine. Comme je vous l'avais dit, le Pom Pom Magazine, c'est un magazine qui pour moi était vieillot il y a quelques années. Et puis là, j'ai acheté la version été, là, il n'y a pas très longtemps, où il n'y avait que des pépites. Et là, quand je l'ai feuilleté, je me suis dit, waouh, des super modèles. J'ai notamment flashé sur ceux de la couverture, donc celui-ci... avec les franges, alors moi je sais pas si je ferai les franges, mais voilà, et celui-ci avec des bubbles sur les manches, et alors celui avec les franges, Vous voyez, dans ce magazine, il y a ce modèle-là avec, pareil, du jacquard. Je le trouve très sympa. Alors moi, les coloris, je suis pas fan, mais je me dis que ça peut être très sympa. Il me semble qu'il est en DK également. Donc avec la Desi, ça pourrait être... voilà, ce modèle. J'ai vraiment... Je l'ai trouvé très, très chouette. Parce que du coup, ça m'a remis le pied à l'étrier pour le jacquard. Hein, je me suis dit... Et j'ai flashé sur ce modèle-ci. Ce modèle-ci, voilà, qu'on voit également dans cette version-là, donc avec les bubbles sur le col. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas, comme j'ai pas de retour caméra du coup. Voilà. Et au niveau du col, il y a des bubbles. Je le trouve très joli. Il y a également une paire de chaussettes. Qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? Il y a celui-ci. Celui-ci, je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est du crochet. C'est des granny squares, j'ai l'impression, en crochet comme ça en V. Et puis le reste est en jersey tricoté. Il est très beau avec le col V. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des très chouettes modèles, un peu intemporels. Il y a des moufles. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a que j'ai? Alors moi, je vais vous montrer quand même avec quoi. Et donc, il y a ce modèle. Donc moi, j'ai commandé... Il fallait 1300 mètres pour ma taille. Je voulais le faire un peu loose, donc j'ai fait la taille... Ça sera en taille 4. Je voulais une grande aisance. Et c'est ce modèle-ci. Donc le fameux avec les... Alors, est-ce qu'on va le voir de plus près? Le fameux avec les franges. Évidemment, moi, je pense... Alors quoi que quand je le vois, je me dis... Mais ce modèle-ci, voilà, je le trouve vraiment très chouette. Donc avec cette dentelle en V, quelques petites bubbles. Les franges, je ne sais pas si je les ferai. Mais en tout cas, voilà. Je vais le faire avec la Daisy, parce que c'était en DK, donc il fallait 1300 mètres. Lui aussi, voilà, j'ai très envie de le monter. Mais je vais essayer d'être... Voilà. Là, vous voyez mieux avec... Donc, je pense qu'il n'y aura pas de franges sur ma version. Et encore que s'il me reste de la laine, peut-être. Peut-être, peut-être pas partout. Mais je le trouve vraiment très sympa. Voilà, donc vraiment quelques pépites dans ce pom-pom qui est automne 2023. Voilà. Et la Daisy, une super bonne découverte. Alors, je ne l'ai pas encore tricotée, mais bon... Ça m'a l'air très... Le fil est bien retordu. Elle est assez brillante. J'étais très contente. Et ils ont plein de coloris, donc peut-être qu'il y aura d'autres... Dans le pom-pom, notamment, il y a pas mal de modèles en DK. Et je pense que peut-être je le ferai... Enfin, à voir, parce que j'aime bien aussi quand il y a du mohair. Mais à voir ce que je... Peut-être j'en recommanderai... Mais une fois que j'aurai tricoté, parce que là, autant je vous disais que j'avais pas de stock, mais là, inutile de vous dire que ces derniers temps, entre le Knit It et puis voilà, quelques trouvailles à côté, le stock a sacrément augmenté. Bien que j'ai quand même tricoté pas mal, donc ça va peut-être pas durer si longtemps que ça, mais j'ai quand même 3 grosses pièces, 3 quantités de laine de teinturière pour me faire des pulls en déca. Donc bon voilà, je pense que j'ai fait ma dose de laine pour... peut-être pas pour l'hiver. Si, normalement oui. Qu'est-ce que je veux de ce... Alors, je voulais parler... Ah ouais, alors... oui, si, j'ai eu la chance également, après le Knit It, d'aller à Venise. Mon mari m'a emmenée à Venise quelques jours. On s'est régalé. C'est vraiment une ville... Alors, on a beaucoup voyagé, nous, déjà, mais Venise, on n'avait jamais fait. On s'est dit, c'est trop dommage. On est quand même pas très loin, nous, depuis la Provence. On a passé un super séjour. On a eu un temps magnifique. On était en t-shirt ou en petite chemise. D'ailleurs, j'ai posté une photo sur Instagram parce que j'ai quand même trouvé une boutique de laine là-bas, avec de la laine italienne. Et donc j'ai voulu y passer, et d'ailleurs sur cette, c'est ça que je vous montrais comme cousette, je suis partie à Venise avec, et donc je suis passée à cette boutique qui livre partout dans le monde, et j'avais repéré qu'ils faisaient, alors, excusez-moi pour le bruit, donc cette boutique, ça s'appelle Les Labella, et leur spécialité notamment, Il y a deux spécialités, mais notamment leur spécialité, c'est le cachemire. Donc le cachemire, c'est une laine que je n'ai jamais tricotée ou à part dans une base mélangée, mais vu le prix du cachemire, je n'en avais jamais acheté. Et donc là, c'est de la soft cachemire et 100% cachemire. Et il y a 700 mètres pour 50 grammes. Donc inutile de vous dire que c'est un nuage parce que 50 grammes et 700 mètres, le fil est hyper fin. Le fil est hyper fin. Je crois que j'ai payé 7 écheveaux, je l'ai payé 45 €, il me semble. Donc c'est cher, mais en même temps pour du cachemire, bon voilà. J'ai 700 mètres et je me suis dit qu'avec ça, donc j'en ai pris un seul. Je me suis dit qu'avec ça, je me ferais... donc là, c'est un gris anthracite. Hein, je pense que vous devez voir la bonne couleur. C'est un gris anthracite. Je voulais une couleur assez neutre quand même que je puisse mettre avec tout. Et je me suis dit que je me ferais un châle, l'équivalent d'un châle à 2 écheveaux. Donc là, j'ai pas encore trouvé le modèle parce qu'il me faut, du coup, c'est une laine. Enfin, c'est même moins qu'une laine. C'est vraiment une très très fine laine. Et donc, je vais, voilà, j'ai l'intention de me faire une étole ou un châle. Voilà, 700 mètres, ça fait, oui, ça fait quasiment 2 écheveaux. Donc, j'ai moyen de me faire quand même une très jolie pièce d'hiver. Vu le prix, je me suis dit que bah, à 1 écheveau, j'arrivais à me faire une pièce pour un prix qui était raisonnable. Voilà, et leur autre spécialité, alors ça j'ai trouvé ça, ça m'a rappelé les années 80 avec Anne Sinclair, ses pulls en mohair, en angora, et les pulls à fil. Alors je ne sais pas si vous voyez, ma mère en avait. J'ai acheté donc ça chez eux aussi, pareil, une de leurs spécialités, exclusif pour Les Labella. Donc si vous voulez, je pense que vous pouvez trouver leur site, Les Labella. Donc là c'est 100 grammes pour 190 mètres. Ça se tricote entre 4 et 6. J'ai pris juste 1 écheveau, je crois que s'il était à 25 €. Et donc, c'est... Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un mélange. C'est un fil qui alterne des parties à paillettes, des parties gros rubans. Vous voyez, des vraiment gros rubans. Des parties poilues, moins poilues, etc. Il y a un peu de lurex bleu. Alors moi, donc il est bleu marine. Hein. Et je ne sais pas si vous voyez, mais voilà... une pépite, du satiné, etc. Et ça, je me suis dit que j'allais me faire un modèle. Oui, enfin, vous voyez ma tête, mon cerveau est en ébullition permanente là, de ces dernières semaines. Et donc là, je le vois tout à fait. Alors, ou avec de la laine, parce que je vous dis fond bleu marine, mais il y a quand même des trucs qui sont un petit peu noirs. Voilà. J'ai un petit bout de fil. Et j'imagine tout à fait, comme dans les années 80, vous savez, ces pulls où... Moi, il me semble avoir vu des pulls comme ça, avec des gros fils, et ou un yoke avec cette laine-là, et le reste en jersey tout simple, bleu marine ou noir. Ou alors, un peu selon le principe des pulls à niblat, le Inès, ou vous voyez, un grand bandeau, ou un V, ou je sais pas. Voilà, j'imagine, voilà comment je vois 7 écheveaux là. La quantité, je me rends pas vraiment compte, mais du coup il faut que je trouve un modèle qui soit en grosses aiguilles quand même. L'idéal, ce serait que je trouve un modèle en, là ils disent en 4 à 6, mais effectivement je pense que ça, c'est ce que d'ailleurs la vendeuse m'a dit, elle m'a dit ça se tricote en aiguille 6, c'est l'idéal. Effectivement, pour que ce soit un petit peu ajouré, donc peut-être un pull, ou alors je pensais peut-être un modèle d'Aurélie Lapoule, je sais pas. Mais bon, ça, j'ai le temps de réfléchir, je ne vais pas le mettre sur mes aiguilles tout de suite. Mais ça, c'est vraiment plutôt... Mais ça, ces 2 écheveaux-là, c'est mes écheveaux un petit peu trésor. Enfin, trésor, au-delà de celui-ci où c'est du 100% cachemire. Mais c'est mes écheveaux trésor de voyage. En fait, moi, quand tu pars en voyage, j'aime bien me ramener. Et voilà, je sais que ça, ce serait mes écheveaux. J'aurai mon étole de Venise et mon pull de Venise. Et puis peut-être je mettrai, je ne sais pas, de la drops avec ou j'en sais rien. Mais voilà, ça sera mes souvenirs de voyage. Un vrai plaisir. Les vendeuses étaient super sympas. En plus de voir qu'il y avait des tricoteuses françaises qui venaient, elles étaient ravies. Mon mari trouvait ça très beau. Mon mari, moi j'ai passé quand même un petit peu de temps, puis on a discuté, etc. Mon mari regardait, il me disait « Oh mais ça c'est beau », c'est lui qui a découvert ça d'ailleurs. Il m'a dit « Mais c'est bizarre ça, hein, mais c'est lui qui a vu cet écheveau-là. » Le cachemire, elle m'a dit « Mais j'hésitais à en prendre » et puis il m'a dit « Mais prends-le quand même et tout. » Là en plus c'est une exclusivité, ça a été fait pour eux. Donc elle m'a dit que ça a été filé en Italie, voilà. Et puis ce qui est rigolo, voilà, c'est que c'est marqué Venezia, Italie. Bon voilà. Ça c'est le genre de truc où je garderai l'étiquette. Donc voilà pour tous mes achats du moment. Mais comme je ne suis pas raisonnable, j'avais d'autres achats. Ah non, je vais vous montrer mon dernier en cours qui m'a quand même... Où je me suis dit, il faut quand même que j'avance les dernières choses dont je vous avais parlé les épisodes précédents. Je reviens. Donc il y a un moment, je ne sais plus, peut-être l'année dernière, l'hiver dernier, je ne sais plus, j'avais commencé le Paul Klee Sweater, ce pull qui a été pas mal tricoté par Midori Rose. Donc je l'avais commencé, je l'ai laissé en stand-by pendant un bon moment. Ça commence. Je vais avoir du rangement à faire après l'épisode. Hein. C'est un pull que j'avais décidé de faire avec un panier de restes. Voilà, donc là j'ai mis tous mes restes. Enfin tous mes restes. Tous les restes que je voulais utiliser. Donc là on a le petit la grille. Et j'avais fait ce pull. Hop. Voilà. Donc là, je me suis dit que je le reprenais. Donc, je l'ai avancé un petit peu. J'ai fini le corps. J'ai fini une première manche. Donc, voilà. Donc là, mon jacquard est un petit peu serré. Je pense qu'il va se... Bah, du coup, il y a différentes textures de laine. Mais au blocage, je l'ai essayé. En fait, il n'est pas serré. Hein, il est impeccable. Dans le modèle original, les manches ne sont pas faites. Mais moi, comme il me restait il me restait encore de la laine de couleur. Je me suis dit que j'allais la terminer. Voilà, donc le corps est fait. J'ai fini la première manche. La deuxième manche, il me reste juste la bande de jacquard à faire. Et puis ce pull sera terminé. Donc j'en suis super contente. Il va être très original. Dans ce sens-là, comme ça je vous le montre. Il va être très original. Bon, bien chaud. Donc là, c'est que des restes. Et ça, c'est de la Drops... de la Drops Curry, je crois. Alors, il y a un épisode où je vous en parle, où je vous dis exactement la laine, mais du coup, j'en ai plus. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais un espèce de petit vert. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un mohair curry qui me restait d'un projet, je crois, de mon gilet land. Et puis, de la flora. De la flora verte, il me semble. Curry vert, bref. Mais en tout cas... Voilà, lui, il devrait être terminé au prochain épisode, j'espère. Je le porterai cet hiver, je le trouve très sympa. Et alors, il est très original, hein, mais il m'a permis d'utiliser mes restes de laine. Voilà, j'ai des restes de mon pull de la droguerie avec les paillettes. Là, j'ai de la bien-aimée coloris Liz Taylor. Ça, c'est un test que j'avais fait pour Florence, le Steel Knitting. Là, c'est un pull de Sari Nordlund, le cutard, je crois. Ouais, de modèle hiver. Enfin, voilà, je connais toutes les laines. Je trouve ça très sympa. Et je suis ravie. Donc, lui, la moitié d'une manche, ça devrait être jouable. Et quand j'aurai fini ces choses-là, je vais pouvoir commencer à attaquer... Non, je vais être raisonnable. J'ai essayé de finir plusieurs projets qui traînent avant d'en attaquer des nouveaux. Bien que ça me démange grandement, donc on verra. Dans les autres nouveautés, alors, je sais même pas si... En fait, je n'ai pas regardé l'heure, mais alors autant je me suis dit que j'avais le temps aujourd'hui, mais je ne sais pas si je vous parlerai de couture aujourd'hui, parce que sinon ça va être un épisode qui va faire 2 heures. Puisque... cet été, j'ai regardé un épisode de Ana et Tricot, où elle parlait de machines à tricoter. Alors moi, pour la petite histoire, quand on est rentré du Canada, j'ai une amie qui déménageait à ce moment-là, qui avait depuis des années dans son garage ou dans sa cave, enfin bref, dans un endroit tout pourri entre guillemets, une vieille machine à tricoter qu'elle n'utilisait plus, donc forcément elle m'a dit, sachant que moi je tricotais, est-ce que tu es intéressée? Donc ben, bien sûr j'étais intéressée, quand ça vous tombe tout cru du ciel, elle me dit il ne manque aucun accessoire, c'était la directrice de chez Fil d'Art d'Aix qui l'a eu pendant longtemps, donc voilà, une belle machine, bien entretenue, mais par contre ça fait des années qu'elle est dans ma cave. Donc là, je me suis dit, bon, en même temps, j'ai rien à perdre, j'ai quand même de l'espace de stockage. Je me suis dit, bon, donc mon mari est allé la chercher parce que ça pèse quand même un âne-mort. Et je l'ai rentrée à l'intérieur de la maison, dans mon atelier. J'avais essayé un petit peu de l'utiliser. Ça me cassait la laine, ça me déchirait tout le truc. Enfin bon, bref, j'ai réussi à faire quelques rangs, mais rien n'allait. Je l'avais nettoyé un petit peu avec du gaz d'ordinateur. Là, vous savez, le gaz sous pression, mais... Bon, bref, le truc, je me suis dit, bon, il doit manquer des choses, ou c'est cassé, ou je sais pas. Enfin, bref, j'avais pas le temps de me pencher dessus à ce moment-là. Donc, au final, elle a terminé. Je vous mettrai une petite vidéo. Alors, voilà la bête dans mon garage. Dans mon garage, qui est même pas un garage fermé. Donc, au milieu des toiles d'araignée, des sacs de ciment. Donc voilà, donc c'est la Passat chromatique 80. Donc comme vous pouvez voir, elle est dans un état très crasseux. Donc là, ça fait un an qu'elle est dans le garage. Bon, là, elle roule même plus. Voilà, je pense qu'elle est un peu grippée. Mais bon, il y a toutes les aiguilles, tous les accessoires. Le but, donc, ce serait que je la démonte entièrement, que je la nettoie, hein, parce qu'il y a même les petits glands de chêne. Voilà. Voilà la machine. Donc, c'est une double fonture. Double fonture, c'est quand il y a un premier rail ici et un deuxième ici. Donc, normalement, ça permet de faire des tricots circulaires. Sur le papier, c'est noté également, voilà, on peut faire les jacquards, les dégradés, les côtes anglaises, les côtes à dessin, le jersey, côte bonnetière, alors le tubulaire, tubulaire fantaisie, jacquard tubulaire, les jetés. Bref, en soi, c'est une pépite. Mais il faut que je trouve un peu comment... Bah déjà la nettoyer, il faudrait que je la démonte entièrement, que je la nettoie et puis que je la rentre déjà. Voilà, puisqu'elle est juste dans un abri couvert, l'abri couvert de ma voiture. Donc voilà, avec les feuilles en dessous et les sacs de ciment en dessous. Voilà, un peu de boulot, mais je pense que je vais m'y coller un de ces quatre. Pour vous montrer la bête, elle a terminé. On a un abri couvert dans le jardin, mais ouvert quoi en fait. Hein. C'est vraiment l'abri où moi je rentre ma voiture, mais qui est ouvert avec les feuilles, avec voilà. Et donc on l'a mis là avec les restes de ciment de fin de chantier, comme on a refait toute la maison. Voilà. Mon mari l'a posé là avec un de mes fils parce qu'il faut être deux quand même pour soulever la bête. C'est quand même un gros poids. Et puis ça fait un an et demi qu'elle est là, ça fait un an, ouais, un an qu'elle est là, et donc je l'ai pas utilisée. Je m'étais dit je vais la vendre sur le bon coin, mais quand même ça, je me disais bah c'est dommage, on te la donne, tu as ça, qu'est-ce que tu t'embêtes à peut-être un jour tu auras le temps de te pencher dessus. Et puis je laisse ça dans un coin de ma tête et puis voilà. Et en voyant l'épisode d'Anna cet été, Anna expliquait qu'elle avait donc une machine double fonture. Donc je vous ai mis la vidéo, hein, je pense à ce moment-là. Donc en plus c'est une très belle machine, c'est une machine excusez-moi, la Passat Biomatique 80, c'est une machine haut de gamme, double fonture qui peut tout faire. C'est un brevet suisse. Enfin c'est du haut de gamme, c'est une très belle machine, mais qui ne marche pas. Et donc Anna, dans son épisode, en parle et dit « J'avais la vieille machine, mais bon bref, pareil, elle galère, elle galère. » Au final, elle a tout démonté, mais tout démonté pièce par pièce, donc en prenant des photos, parce que qui dit démonter dit faut remonter, parce qu'il n'y a pas non plus, comme c'est des vieilles machines qui ne se font plus, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour, enfin sur YouTube notamment, où on peut trouver tuto, démonter, sap à sap, voilà. Et puis Anna dit quand même, mais je n'avais pas abandonné l'idée, et puis finalement elle s'est acheté une LK 150, donc c'est une machine qu'on trouve alors à 449 € je crois chez Rascol, et elle dit, puis ça m'a permis de me remettre et puis de comprendre le fonctionnement de la machine. Alors elle a fait une formation en plus, excusez-moi, mais le fait d'utiliser la machine de base plus simple qui fait pas grand chose, de comprendre le mécanisme de ce qui marchait, voilà, pourra lui permettre d'utiliser sa double fonture. Je me suis dit, c'est pas débile, non pas qu'Anna soit débile, mais c'est pas du tout débile, et je me suis dit, bon ben, ça a cogité pendant un petit moment, et puis il y a quelques semaines, je me suis dit, allez, j'achète la LK 150, donc, qui est une machine beaucoup plus... Alors, je vais vous la montrer parce qu'elle est sur... Ben, je vous ferai une petite vidéo, mais c'est une machine qui, pour le coup, est beaucoup plus légère. Donc moi je l'ai commandée chez Rascol, et puis là, forcément elle est neuve, alors elle ne fait que le jersey, elle fait pas les côtes, elle fait pas de circulaire, elle fait pas... C'est vraiment basique, mais c'est très simple d'utilisation, hein, je veux dire, il n'y a pas plus simple, hein, y a un petit livret quand on l'achète chez Rascol en français qui explique bah, comment diminuer une maille, rabattre, on peut même faire des côtes en les remaillant avec un petit crochet, et puis alors là ça a été... la découverte, et là je me suis éclatée. Là je me suis vraiment éclatée, donc je vais vous montrer les petits projets que j'ai faits. Donc j'ai commencé, alors vous allez voir parce que tout ça, ça implique plein de choses. J'ai commencé par un reste de laine à chaussettes que j'avais, et j'ai fait bah, ce tube que j'ai fait en un quart d'heure. Donc j'ai commencé par faire des côtes. Alors les côtes, en fait on fait du jersey, à un moment on s'arrête et puis après chaque petite maille on reprend pour retransformer. Donc j'ai fait ce tube avec un reste de laine que j'avais, donc je savais que j'allais rien faire, et je me suis dit, enfin ce tube qui n'est pas un tube puisqu'on peut pas faire de tube sur la LK 150, mais je me suis dit je vais le coudre et puis après je me ferai des soquettes par exemple. Ce qui m'a poussé, vous allez voir où va le cheminement, mon cerveau bouillonne, je me suis dit mais si je pouvais faire des tubes comme ça, je pourrais faire des chaussettes simples avec des talons après coup, etc. J'en ai jamais fait, je suis pas du tout, comme si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi les chaussettes, j'en ai tricoté, mais je veux dire je suis pas une pro, j'ai pas ma recette, j'ai pas, voilà. Donc là je me suis dit je vais faire le tube, et puis après je ferai un talon après coup. Donc là, je suis commencée par des côtes, j'ai fini par des côtes. Je suis allée au bout de ma laine. Et je me suis dit, je vais couper, puis je me ferai une soquette. Donc, il faut que j'apprenne à faire le talon après coup. Ce qui m'a fait commander, du coup, un livre que je devais acheter depuis très longtemps, qui me faisait de l'œil, mais je me disais, je tricote pas de chaussettes, donc pas forcément d'intérêt. J'ai acheté le livre « Tricoter ses chaussettes », hein, que tout le monde connaît, où tout le monde dit que c'est une bible. Et je me suis dit, au moins, avec ces techniques-là, peut-être je pourrais faire mes talons après coup. Alors après, ça j'avais déjà fait avant, j'ai commencé à lire un petit peu ce livre et je me suis rendu compte que pour faire un talon après coup, il fallait avoir posé à un moment un fil pour pouvoir le couper et puis reprendre son talon. Bon, dites-moi, à mon avis, il y a d'autres manières de faire. Donc moi, je me suis dit qu'à un moment, le tube, j'allais le couper, puis je ferais un talon, j'allais bidouiller, rattraper mes mailles. Je pense que c'est faisable. Donc voilà ce qui m'attend. Mais tout ça c'est toujours dans l'objectif, alors là je voudrais faire plein de choses, mais c'est aussi dans l'objectif à un moment de reprendre ma machine, la rentrer et vraiment la démonter, et un jour où voilà, si je dois y passer 2 jours, de vraiment entièrement la démonter pour pouvoir l'utiliser, pas la perdre en fait. Je me dis ça a trop de valeur, non pas commerciale, mais ces machines là ça a trop de valeur pour que je la laisse dormir dans mon garage et que je ne me penche pas plus dessus. Mais alors après, je pense que ça va être du temps. Voilà. Donc, dans mon euphorie de chaussettes, j'ai acheté, en même temps que ça c'était la commande de la Kitsilk noire, hein. J'ai acheté de la Fabel en me disant, bah, je vais faire plein de chaussettes pour Noël. Donc effectivement le tube, ça, enfin le carré, ça va aller, le rectangle, ça va aller super vite, mais après il faudra quand même que je fasse les finitions. Mon deuxième projet avec la machine à tricoter, pareil, qui m'a pas pris très longtemps. Vous vous souvenez, j'avais acheté chez Emmaüs, enfin vous vous souvenez, celles qui me suivent, l'année dernière à ma filleule, je lui avais fait une bombec avec de la laine fluo que j'avais trouvée chez Emmaüs, de la laine fil d'art. Donc il m'en restait quelques pelotes, je savais pas combien. Et donc je me suis dit, je vais tenter la bombec avec la machine à tricoter, parce qu'en fait, on fait... donc moi j'ai fait, plutôt que de faire des côtes, j'ai fait un repli, donc j'ai fait toute ma... tout un pan sur ma machine à tricoter, j'ai replié, je l'ai remis ensemble. Après j'ai fait, bah ça c'est à la fin, mais j'ai fait une couture ici jusqu'au cou. Après j'ai appris à faire les diminutions, etc. sur la machine. Donc là j'ai un petit bout de fil qui sort, mais voilà. Le rabattage. Et puis là, en fait, à la main, je vais venir reprendre ici. Donc là, il me reste encore à reprendre... refaire des côtes et puis faire je ferai un tricotin pour passer dedans, parce qu'il me reste une pelote de laine fluo comme ça. Donc voilà, donc ça pareil, j'ai fait ça en une heure quoi, enfin 3/4 d'heure. Donc ça c'est top, je me suis régalée. Il me reste encore, pareil, les côtes autour du... Donc vous voyez les encours, enfin c'est même pas des encours là, mais c'est les choses qui me restent où j'ai des choses à terminer. Après je me suis dit, bah, je vais faire un pull. Donc... J'avais toujours dans ma commande de Drops, je venais d'acheter la machine, donc c'est pour ça que j'avais pris de la laine aussi d'avance. J'avais acheté de la Kitsilk, ce vert voilà, très à la mode. Et je me suis dit, bah, je vais faire un pull tout bête. Donc là, pareil, en morceaux, j'ai commencé par faire en bas un montage. Alors bah, du coup, j'ai pas un montage tubulaire comme je fais moi. Mais bon, c'est mes débuts, je me dis que je vais m'améliorer aussi. J'ai fait la partie dos comme ça, donc en un seul morceau, des côtes. J'ai fait tout droit jusqu'en haut. J'ai rabattu les mailles centrales. Non, je n'ai même pas rabattu les mailles centrales. J'ai pris les mailles centrales, je les ai mises sur un câble. J'ai fait pareil pour le devant. Que donc j'ai tricoté en une autre partie. Donc pareil, ça prend une demi-heure à faire. Au milieu, à chaque fois, j'ai rabattu des mailles centrales. Après, j'ai cousu avec un rabattage à 3 aiguilles, parce que j'avais laissé mes mailles en attente sur des aiguilles. J'ai fait un rabattage à 3 aiguilles pour faire mes épaules. Et puis, je suis venue reprendre mon encolure où j'avais laissé les mailles en attente. Et j'ai fait des côtes. Et là, j'ai fait un rabat tubulaire, mais ça, je l'ai fait moi à la main. Et puis les manches, eh ben, j'ai fait aussi une petite bidouille moi. C'est-à-dire que je suis partie de mon tour de poignet. J'ai calculé combien il me fallait de mailles. Et puis j'ai augmenté, tout bêtement, un peu dans les styles modèles Bergère de France au fil d'art. J'ai augmenté. Et à la fin, je suis venue le coudre à la main. Donc bon, mais les coutures à la main, c'est ce qu'il y a de plus embêtant sur ce type de modèle. Mais ça veut dire qu'un pull comme ça... En deux heures c'est fait quoi. Alors c'est pas le même plaisir, mais ça a quand même un côté très sympa. Donc vous voyez, c'est vraiment le pull boîte, hein, tout basique, hein, tout droit ici. Est-ce que tout droit ici, les emmanchures droites là, et j'ai juste fait un col V pour que ça donne une petite. Mais bon voilà, je me régale. Bah forcément ça va vite. Et puis, bah, ça me donne plein d'idées, plein d'envies, plein de... Voilà. Alors, les chaussettes, il faut que je me penche sur la chose pour le talon après coup. Mais voilà. Après, je me suis dit, bon, il faut quand même que tu apprennes un peu des techniques avec la machine. Il y a certainement moyen de faire des trucs un petit peu plus évolués. Mais comme moi, c'était que de la bidouille. Alors, j'ai trouvé pas mal de tutos sur YouTube, etc. Mais bon, je suis d'une patience... voilà, moi, il faut que ça aille vite, il faut que qu'on prenne vite. Je voulais apprendre à faire les rangs raccourcis assez rapidement, ce qui est assez simple au final, puisqu'on laisse... En fait, le principe des rangs raccourcis, c'est quand on tricote et puis on revient, mais on tricote pas jusqu'au bout. Donc, en fait, il suffit de mettre quelques aiguilles en attente et puis après, on les reprend. Donc, en fait, quand on sait bien tricoter à la main, ça permet de comprendre comment c'est fait et d'adapter à la machine. Et puis je suis allée sur Ravelry et il me semblait que sur Ravelry, que dans les... quand vous allez sur Ravelry, que vous faites la recherche avancée, vous pouvez mettre tricot, tricotin, crochet, et il y a tricot machine. Et là, je suis allée voir les modèles tricot machine. Alors, c'est pas folichon, et surtout, il y a pas mal de tricot machine où j'ai regardé, c'était du circulaire, ou c'était en tout cas des modèles avec, avec double fonture, donc la fameuse machine que j'ai dans mon abri voiture. Mais j'ai trouvé ce modèle. Donc ce modèle, c'est un pantalon Longing My Best Life. Donc Best Life déjà, c'était pour moi. Machine Knitting Pattern by Laura Ricker. Donc c'est un espèce de enfin, c'est pas un espèce, c'est un pantalon slim. Moi, je le voulais un petit peu plus large, plus droit. Mais je me suis dit, bon, alors le patron, il est super bien expliqué, tout est détaillé, vous avez rang par rang comment il faut faire. Du coup, il y a quelques photos, ça permet aussi d'apprendre des techniques et de progresser avec la machine à tricoter. Donc, bon bref, je me suis régalée. Et j'avais commandé, pour l'occasion, de la Fabel chez Drops. Donc la Fabel, j'ai gardé l'étiquette pour vous en parler. Ah, elle est là. Là, ah non, c'est pas celle-ci. Qu'est-ce que j'ai fait de mon étiquette ? Bon, la Fabel, ah ben si j'ai la Fabel, donc je me suis dit j'aime faire le pantalon en noir. La Fabel, c'est de la laine à chaussettes, super washed, so cool, 50 grammes 205 mètres, 75% laine, 25% polyamide. Et je me suis dit je vais me faire ce pantalon en noir. Donc là j'en suis là. Donc j'ai fait mes deux jambes, donc pareil, alors le bas, il faut partir par des côtes, mais ça je voulais quand même, puisque moi j'ai fait un peu plus large pour que ce soit un pantalon, je me suis dit, je vais partir direct en freestyle, et puis je viendrai relever des mailles, et je ferai mes côtes à la main pour vraiment les adapter à ma cheville, et puis j'avais envie de faire des côtes un petit peu hautes, et que ça, le pantalon revienne un petit peu sur la cheville. Donc, je suis partie. En fait, c'est tout simple. Hein, j'ai fait comme ça. J'ai augmenté. Après, dans le patron, c'est expliqué comment faire quelques rangs raccourcis pour faire la fourche. Puis après, continuer. La ceinture double. Et voilà. Donc, en fait, on fait deux jambes. Voilà. Donc, moi, j'ai cousu l'intérieur de ma jambe. Ça y est, ça c'est fait. J'ai fait mes deux jambes. Mais pareil, une jambe, j'ai dû la faire en une heure. Une fois que j'avais compris le principe, franchement, une jambe en une heure. Donc, j'ai cousu mes deux jambes. Ça se termine comme ça. Donc là, moi, j'ai mis un fil. Il fallait mettre un fil d'attente. Je me suis dit, je le mets lurex. Comme ça, si j'arrive pas à l'enlever, au pire, on verra un peu des paillettes à la ceinture. Et puis après, on fait cette longue bande qu'on vient rabattre et ça fait un pli. Donc, il me restera à insérer un élastique. Voilà, donc j'ai commencé à coudre mon entrejambe. Voilà, et j'aurai mon pantalon en Fabel. J'aurai mon legging large en Fabel. Mais je suis super contente. Donc, voilà, donc j'ai commencé à le coudre. Il me reste juste la fourche à coudre et puis ensuite à passer l'élastique. Donc ça, je vous montrerai. Je vais mettre un élastique quand même parce que comme j'ai pas fait vraiment la taille qui m'était préconisée, comme je voulais qu'il soit un petit peu plus large... voilà, c'est pour ça que j'ai pris de la Fabel parce que la Fabel en plus elle était en promo à ce moment là, donc c'est le pantalon qui me revient pas très cher. Je me suis dit même si c'est un ratage, moi ça m'entraîne et puis ça va me permettre de tester la machine, de comprendre le principe si je veux utiliser des plus jolies laines et puis surtout voilà, mais ça fait un point qui est hyper régulier. Bon, la Fabel c'est pas la plus belle qualité non plus, mais vu le temps que je mets à faire, au pire si un jour je vais me le refaire en... Mais voilà, ça me fait quand même un pantalon là qui m'arrive quasiment à la cheville, ça retombera un petit peu, donc voilà, ça je vous montrerai. Voilà, donc ça, dernier épisode, je vous avais parlé de mon challenge, et mon challenge c'est ça. Mon challenge c'est de... Alors déjà c'est super addictif, c'est très sympa, c'est une nouvelle technique... C'est pas du tout, ça va pas du tout me faire arrêter de tricoter à la main parce que clairement, le jacquard on peut pas le faire. Enfin on peut, si on peut, mais je veux dire pas avec cette machine là. C'est pas du tout le même plaisir, ça a quelque chose de très mécanique, etc. Mais c'est vraiment très sympa, c'est très addictif, c'est plaisant pour faire des projets qui vont vite et qui sont basiques. Et je me régale. Je me régale et en fait, dans ma tête, le challenge, c'est de pouvoir faire, par exemple, dans mes derniers en cours, j'avais le Prosecco de Marie-Christine Lévesque. Je vais vous montrer. Donc, le Prosecco de Marie-Christine Lévesque, c'est ce pull. C'est ce pull, donc, qui a de la dentelle et qui a... enfin, qui a un yoke en dentelle et après qui est en jersey et les manches en jersey. Et moi, dans mon idée, en fait, je me suis dit... Alors là, j'ai pas le yoke. J'avais commencé à le tricoter. Donc, je l'avais laissé en stand-by. Donc, j'avais fait mes côtes, j'avais commencé le yoke et je m'étais dit, dans l'idéal, une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le yoke et la dentelle. Dans l'idéal, après toute la mer de jersey, si je pouvais le faire à la machine à tricoter, que j'arrive à trouver la bonne tension exacte qui correspond à mon yoke, ben, je pense par un système de grafting. Enfin, voilà, c'est ça ma logique dans les choses, de pouvoir... notamment si je veux faire un cadeau, c'est pas pareil quand on a passé... 5 heures à faire un pull entre la partie main et la partie machine que si on a passé 60 heures à faire un pull. Donc on n'offre pas aux mêmes personnes. Là, ça peut me permettre d'offrir des pulls plus basiques. Bon, et puis ça me plaît en fait. Hein. C'était ça mon challenge. Voilà. Et donc en fait, c'était pas une laine non plus excessive. Donc j'ai... Voilà. Et bah, j'ai fait mon échantillon. Et puis bah, du coup, j'ai fait... Voilà. Les côtes, donc là j'ai mis en attente parce que j'aurais pouvoir faire un rabat tubulaire. Donc là c'est une manche parce que le pull il descend assez bas. Donc là j'ai fait ma pièce de manche qu'il faudra que je vienne coudre. J'ai fait, donc là à chaque fois je laisse en attente en haut parce que je vais reprendre les mailles pour que ce soit plus joli. J'ai fait un échantillon, bon ça c'est pour vous montrer mais j'ai fait un échantillon. Ah ben si mon yoke il est là. Donc ça, c'est ce que j'ai fait à la main. Donc, bon, il est tout rabougri, donc je ne vous le montre pas, mais l'attention, ça c'est ce que voilà, ça c'est ce que j'ai tricoté à la main. Donc je suis dans le milieu de la dentelle. Voilà, et ça c'est ce que j'ai tricoté à la machine. Et donc normalement, quand j'ai regardé, ma tension était à peu près la même. Donc je me dis, ça c'est ma deuxième manche. Une fois que j'aurai fait ça, de pouvoir, par du grafting ou quoi, faire le reste. Et puis, mon but est de faire après, alors où je finirai le corps en jersey, ou alors je finirai avec deux parties machine et je viens faire les coutures sur les côtés. Voilà. Donc, je ne manque pas d'idées. Je ne manque pas de projets. Je manque de temps, évidemment, comme tout le monde, mais je me régale, ça me donne plein d'idées, plein de nouveautés dans ma tête, plein de créations. Dites-moi hein, si ça vous intéresse que je vous fasse des petites vidéos, même comment utiliser la machine, je sais pas s'il y en a qui l'ont. Moi, j'ai pas trouvé tant de... Alors, il y a pas mal de vidéos, il y en a beaucoup, mais beaucoup en anglais, donc des fois, le petit détail qu'on n'entend pas en français, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des infos sur ça, ou s'il y en a qui ont des machines, dites-moi, notamment, ben, j'ai vu Sophie au Knit It, Sophie de la Néphile, qui, elle, s'est acheté une machine. Alors, elle a eu plein d'aventures avec sa machine à tricoter, donc elle a plusieurs machines à tricoter, et du coup, elle a la même que la mienne, cette fameuse pass-up duomatique. Et on s'est dit, mais il faut qu'on s'entraide et puis qu'on se motive en fait à nettoyer notre machine. Donc Sophie, si tu passes par là, je vais m'y mettre, je vais la démonter. Il faudra que tu fasses pareil. Et parce qu'elle lui manquait des pièces, donc elle a acheté deux machines et puis elle a remis des pièces l'une sur l'autre. Enfin voilà. Écoutez, dites-moi si ça vous intéresse. Si voilà, ou si je fais des vidéos complètement à part pour la machine à tricoter. Parce qu'effectivement, c'est pas le même... c'est un autre loisir créatif, je vous dirais. Mais je me régale. Et Et voilà, puis ça me donne plein de nouvelles idées. Pour aujourd'hui, j'aurai encore plein de choses à vous montrer parce que bah oui, ça fourmille, hein, on est bien d'accord. Je sais pas... non, mais je pense qu'il est tard déjà. Je crois que j'ai bien pris mon temps, j'ai bien papoté. Bah, pour aujourd'hui, on va en rester là. J'essaierai de revenir assez rapidement pour vous montrer mes avancées, peut-être en pantalon fini avec une fourche et un élastique. Le pull, bah, j'aurais pu vous montrer ce pull, comment il est. Ma Bombec machine terminée. Je vais vous montrer le pull, ce qu'il donne, hein, parce que du coup j'ai tout fait en freestyle, hein, pour le coup, ce pull là. Ce qu'il donne porté. Voilà, donc alors il n'est pas bloqué, rien, hein, donc mes coutures sont pas forcément mises en place. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même pas mal pour un pull fait en 2 heures. Voilà. Donc voilà, donc je suis ravie. Bon, c'est de la Kitsilk, hein, c'est pas la laine la plus douce du monde, mais franchement, bon, moi je la supporte. Et puis je suis assez contente de ma création de modèle, de patron, et voilà. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, je crois que c'est terminé. Je vais devoir ranger tout ça, et puis je vous dis, j'espère que vous m'avez suivi jusque là, que mes histoires de machines à tricoter, ça vous a pas saoulé, que voilà, moi je viens pour partager avec vous, vous montrer, j'ai rien à vendre, rien à quoi que ce soit, mais dites-moi, donnez-moi vos retours sur si vous aussi vous fourmillez de plein d'idées. Si je vous en ai donné, et puis si en couture quand même, je voulais quand même vous dire que j'ai flashé sur c'est I am, attendez, je vais enlever parce qu'il fait quand même chaud. I am Pattern a sorti, donc là l'automne va arriver. J'ai très envie de me faire un nouveau manteau. Alors j'ai toujours mon blazer de Maison Fauve de l'année dernière que j'ai pas encore cousu. Et donc là, la saison va arriver, je me suis dit que je le voulais absolument pour l'hiver, mais j'avais besoin d'une petite veste ou d'un trench. Et en fait, est sorti le modèle I am Bob de I am Pattern, donc qui est un modèle de trench, donc assez classique. Et moi, je le voulais en beige, et mi-cuisse. Et donc, quand je l'ai vu passer, je me suis dit ce modèle-là. Donc, je l'ai acheté directement. En plus, il était à 8 €. Il était moins cher. Enfin, je l'ai pris en PDF parce que j'avais pas envie de décalquer toutes les pièces. Je l'ai pris en PDF. Et ça, c'est ma prochaine cousette à venir. J'ai commandé le tissu sur Meter. Je vous mettrai si c'est faux. Mais en fait, le tissu recommandé pour la version beige. Et il se trouvait qu'en plus sur le site. Donc, c'est un tissu d'une qualité de dingue, hein. J'ai déjà utilisé leur tissu. C'est une tuerie. Et là, au lieu de 32 € le mètre, sachant qu'il fallait 3 mètres pour le trench, enfin pour la version que je voulais, le mètre était à 11 €. Donc, je sais pas, quand va apparaître cette vidéo, peut-être que ce sera encore la promo. Mais clairement, voilà. Donc, ça, c'est la pièce qui va m'occuper, ma grosse pièce que je voudrais pour l'automne. Là, je pense qu'on a encore 15 jours d'été indien. Mais donc ça me laisse un petit peu de temps pour me faire un trench. Et puis pour l'hiver, il y aura toujours ma veste de Maison Fauve, la Manhattan, le blazer. Donc ça, j'ai encore un petit peu de temps, mais qui est toute noire et que je voudrais, mais voilà. Et puis voilà. Donc voilà, je ne manque pas d'idées et de projets. Et puis j'ai certainement oublié de vous dire des choses, mais sinon je reviendrai plus vite. J'espère revenir très bientôt. Merci si vous avez écouté jusque là tout mon charabia, mon inorganisation et toutes mes envies, et voilà, ça grouille dans tous les sens, mais moi je me régale. Ma vie est très bien rangée, très bien... Voilà, et je pense que quand il s'agit de création, etc., ça part dans tous les sens. Et ça me fait le... C'est vraiment ma bulle de folie, en fait. Donc, je ne m'interdis rien de commencer des nouvelles choses si j'ai envie. Je classe les choses quand elles ne sont pas finies, j'y reviens toujours. Donc, et puis, au final, c'est moi qui vais le tricoter ou qui vais finir. Donc, Donc voilà, bah écoutez, je vous dis un grand merci et puis à très bientôt. Bye bye.